Je me ferai un plaisir de vous neutraliser. C'est ça, c'est l'attente. Alistair, je ne doute pas de l'importance de vos travaux. Un jour, ils révolutionneront le monde. Mais pas comme ça. Je dois détruire les monstres qui menacent d'annihiler la ville. Le combat ultime du bien contre le mal. Pensez à Einstein. Pensez à Oppenheimer. Ils ont percé les secrets de l'atome pour sauver le monde, pas pour le détruire. Leurs découvertes ont été corrompues par d'autres, mais vous, vous avez le choix. Vous aussi, vous aviez le choix. Vous avez choisi le mal. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous, docteur. Ne faites pas la même erreur que moi. Vous savez qu'il n'y a qu'un moyen de mettre fin à tout ça. Alistair, le sérum que vous vous êtes injecté n'était pas prêt. Le virus des mutants est encore en vous. Je peux vous aider. Et qui vous aidera? Vous. Ah, ça sent pas bon là. Ça va sentir le gros combat final contre un mec en chaise roulante. Combat de merde, ça. C'est un petit peu Mirror's Edge, hein, non? Design sobre, bleu, blanc, bleu, blanc. Oh la vache. Bleu, blanc, bleu, blanc. Oh la vache. Bleu, rouge. Il y a un truc d'ailleurs qui me chagrine, moi, dans les jeux, c'est qu'ils font pas assez attention, je trouve, aux daltoniens. C'est vrai que je me souviens sur Battlefield 3, il fallait attendre une mise à jour hyper tardive pour pouvoir avoir. Attendez, je me concentre. Tu parles d'une vie. Au lieu d'aller à la fin, ouais, il a fallu attendre une mise à jour super tardive pour qu'ils aient enfin ça. Je trouve ça débile parce qu'il y en a pas mal qui sont touchés par ça. Et c'est pas très dur pour les développeurs de changer un peu les couleurs, mais c'est vrai que ça doit être assez gênant. C'est marrant d'ailleurs, mon masque, c'est mes cheveux qu'on voit ou c'est de la boue qui a détalé? J'imagine que c'est les cheveux de Peter Parker. Très sympa, c'est le niveau le plus excitant de tout le jeu, je trouve. Comment je suis gourmand, tu sais. Hop. Là, ça va se réactiver juste quand je vais passer. Ah non, c'est bon, j'étais pas loin. Alors, où est-ce qu'on va? Par contre, je suis paumé. Enfin, je suis paumé, on va tout droit logiquement, donc ça devrait aller, mais. Mais je me connais. Je me connais. Je sais que je me perds à tout moment, et vous le savez aussi. Vous croyez que Spider-Man va venir à votre secours? J'espère que non. Dommage qu'il ne soit pas là pour partager ce grand moment. Quel moment? Notre phase de test. C'est parce que vous n'avez pas effectué de test que ce malheur est arrivé. Je ne ferai pas la même erreur. C'est vrai. Je les sens parfois. Comme si elles fonctionnaient. Mais non, vous êtes fou. Votre place est dans un asile, Alistair. C'est vrai que vous êtes un spécialiste. Détendez-vous pendant que je prépare mon sérum aux nanobots. Réfléchissez à ce que vous avez. C'est marrant quand il parle des jambes, tout ça, parce que justement, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le film 127 heures. Alors, le tout début du film, je me suis dit, merde, ça va être pourri, parce que c'est hyper cliché. Il y a un mec qui fait 500 millions de kilomètres avec un vélo, il y a de la musique rock. Et au final, il se trouve que c'est très bien fait. Et encore plus, quand après, on regarde le reportage sur la vraie vie de ce monsieur. Je vous laisse découvrir, hein, je vous spoil pas, vous regarderez le film. Merde, il faut que je me taise, J'ai l'impression de passer mon temps à vous faire évader. Peter, vous n'auriez pas dû venir. Désolé du retard. Les robots, les embouteillages, tout ça. Ouais, donc, attendez. Je les déglingue, hein. Petite... Simple formalité. Ouais, bref, je vous laisserai découvrir tout ça, mais... Justement, après, quand on regarde le reportage, on se rend compte que c'est super bien fait. Et... Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et il parle justement des douleurs fantômes, parce que le mec a perdu son bras, et il parle de ça, que c'est le cerveau qui renvoie les données, même si on n'a plus de bras. Pendant des mois, on va encore avoir l'impression d'en avoir un, et même des fois d'avoir mal à cet endroit, ce qui je trouve assez exceptionnel. Le pouvoir du cerveau, moi je trouve ça fou. Et voilà, tu es libre. Oh la vache, pas un merci, que dalle. Je ne vous abandonnerai pas. C'est à cause de moi que Smythe fait tout ça. Nous sommes au complet. Quel beau rassemblement. Vite! Rejoignez votre ancien labo. Mauvais souvenir ou pas, vous devez y aller. Vous permettez que je vous les emprunte, Spider-Man? Connors a raison. Vous n'auriez pas dû venir.
mais je savais que vous ne résisteriez pas. Que diraient les gens si Spider-Man ne volait pas au secours de son ami? Très bien. Nous le saurons bientôt. Je vous donne une dernière chance, Miles. Arrêtez maintenant! Ou quoi? Connors a fait sa part. Et maintenant, c'est à votre tour. Et ensuite, tout sera terminé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Connors ne m'intéressait pas vraiment. Je visais un plus gros poisson. Mais ne cachons pas la chose. Bientôt, Oscorp va regretter de m'avoir tourné le dos. Vous retrouverez jamais votre poste au sein d'Oscorp. Sauf s'ils ont un programme de réinsertion. Quand j'aurai sauvé le monde de la menace des mutants, l'opinion des gens n'aura plus d'importance. Mes nanobots sont le futur. Vous êtes toujours infecté, Smash. Je n'ai donc plus beaucoup de temps. Détendez-vous, mon cher cobaye. Je ne diffuserai pas mon sérum avant de l'avoir testé. Je ne suis pas fou. Alors, que doit-on inscrire sur votre pierre tombale? Spider-Man ou Peter Parker? Allons, levez-vous, Spider-Man. Qu'avez-vous? Quelques millions de nanobots dans votre système ne vont pas avoir raison de vous. Je suis vivant. Un peu de patience. Ça ne fait que commencer. Vous avez pris mes jambes, mais vous ne prendrez pas mon génie. C'est lui qui l'a créé, et il va vous réduire en miettes. Qu'est-ce que c'est que ce robot dégueulasse? Il est trop laid, le design. Par contre, je n'ai plus de pouvoir, j'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien, je suis dans la merde. J'ai plus de pouvoir, tout est fini. Mais tu pourrais prévenir quand même. Ah mais au moins les robots, je pense pas qu'ils m'en voudront vu que je suis plus un... Ça va faire mal. Un mutant. Ou pas. Ils réagissent pas. Ça ah ouais, c'est ça, voilà. Le mystère a réussi et que... Je ne suis plus Spider-Man. Ça c'est la merde, hein. Oh merde, je peux pas. Ah si, je peux mettre des coups de poing, mais ça sert à rien, faut que je fuis quoi. Parce que sans ma super force de super héros, que faire? Non. Ouais, mes lanceurs de toile, je peux pas vivre. Ah, au moins. Et sans mon téléphone. Et sans mon téléphone. J'ai bien aimé la petite voix qu'il a pris. Je suis trop faible pour me balancer. Mais je peux encore lancer ma toile. Ouais, enfin, quand tu vas te battre, les coups de poing que tu mets, ils seront pas très puissants. C'est ça, surtout. Ouais, voilà. Ça, c'est marrant comment la moindre des choses devient super dure pour lui. Ça va être frustrant, hein. Ça va être super frustrant. D'accord. Bah, écoutez, je reviens. Oh, la merde. Waouh. On dirait un Metal Gear. J'ai l'impression d'être dans Metal Gear Solid, là, vous savez, avec toute l'armée qui est en bas, qui va se tourner à gauche d'un coup, à droite d'un coup. Et normalement, faut prendre des photos du Metal Gear. C'est exactement ça, les bras, vous voyez. C'est Metal Gear Rex ou je me souviens plus. Je la prends juste pour la dédicace à Metal Gear Solid. Je dois trouver un meilleur angle. Ah mais en plus, faut vraiment que je prenne en photo? Attendez. Ah ouais, non, alors c'est vraiment du Metal Gear Solid là. Metal Gear Solid 2, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de les acheter. Mais là, c'est vrai, je conseille vraiment de les acheter. Mais là, c'est vraiment ça. Je crois que c'est un clin d'œil direct à ça, parce que c'est exact. Nouvel exosquelette de Scorp. Ouais, par contre, je sais pas où sont les autres là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Attention. D'accord, faut que je fuis, faut fuir. À l'aide. Au secours! Ah! Gauche ou droite? Pas droite. Hop. C'est vraiment marrant que ça se finisse sur un moment où on a plus notre pouvoir. Par contre, il a un équilibre, le mec. Ouh!
Bam. Bam. Allez. Je sens que je vais mourir là sur un petit saut à la con. Après, je pense que le jeu nous aide bien. Y'a quoi en bas? Oh là là. Sans déconner, y'a pas de sol. Putain, il est génial, mais c'est vraiment un âge, j'ai vraiment envie de fumer ta guerre celui-là. Vraiment. Alors, je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont joué, par où je vais? Par là. Oh, merde, je vais où? Je vais. Merde, merde, merde. J'ai fait le con là, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Voilà, c'était sûr. En fait, j'aurais dû l'activer d'en haut. Excusez-moi, les amis. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est marrant parce que le bras qu'on voit quand on meurt, ça me rappelle justement le bras dans Battlefield. Vous savez, la petite main qui crie à l'aide. Ah, vous avez sûrement dû le voir dans mes vidéos, dans la seule vidéo que j'ai fait de Battlefield. Je fais que mourir. Donc, c'est pas censé être difficile à. Je dois sortir d'ici. À voir, quoi. Oh, je dois tout me retaper. Beaucoup plus simple avec ma toile. Ah, bah non. Ok. Je vais pas faire la même connerie ce coup-ci. Voilà. C'était le casse-tête le plus dur du jeu, je crois, et je l'ai loupé. Je sais pas si j'ai pris la bonne direction du tout. Si, ok. Putain, les robots, vite, 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 vite. Ok, ça c'était juste pour le bonus. Sans déconner, j'ai juste fait ça pour le bonus. Allez, viens, viens vite, toi. Hop, hop. Ah, j'aurais bien pris le truc là-bas, mais je sais même pas comment on peut le choper. On saute pas si haut que ça. Hein. Enfin, si, je trouve qu'il saute haut quand même pour un humain normal. Aïe! Attendez, ça va se relâcher pile quand je vais passer, je sens. Voilà, c'était sûr. J'aurais juste appuyé sur B de manière, je pense que ça me portera pas préjudice. Voilà. Non! Mais je suis con! Mais y'en a marre! Oh, je recommence juste là, Dieu merci. Mais... Putain, c'est débile quand même de mourir comme ça. Ah, je suis désolé, les amis, là je suis pas. Enfin, en même temps, vous savez comme. Je pense pas que vous veniez sur ma chaîne pour le ski là. Je sais pas pourquoi vous venez là. Moi je viens. Non! Non mais là, non, 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 non. Je vais devenir fou. C'est ça, c'est ça. Je vais. Faut que je devienne fou. Sortir d'ici. Ouais, mais là, là, là. Oh putain, non, non. Bon, cette fois-ci, je la joue intelligemment, d'accord? Regardez, je prends mon temps. Faut bien que je pense à sauter. Le premier conseil que m'a donné mon père dans la vie, c'est saute. Saute tout ce qui bouge. Et. Oui, il l'a fait. Ah, j'aimerais remercier ma famille, j'aimerais remercier mes 120 abonnés, putain j'y crois toujours pas d'ailleurs. J'aimerais tous vous remercier pour ce saut. Attendez, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une autre mort débile. Casse-toi toi, casse-toi aussi, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Ah, casse-toi. Putain. Attendez, lui il va se remettre pile au mauvais moment, je le sens. Voilà. Lui aussi, ouais, j'aurais pas dû les faire si tôt, rien. Oh, quoique, je pense pas que ça me fasse tomber, je pense que ça me fait juste des dégâts. Ouais, c'est bon, Spider-Man avec la vis automatique se débrouille plutôt bien. On va y aller, les gars. Je pense que je vais devoir me battre contre le Metal Gear. Hein. Cassez-vous, 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 je vous emmerde, je vous emmerde, je vous emmerde. Est-ce que c'était bien là que je devais aller? Ouais, je pense. Je pense que c'était. Putain. Waouh! Bon, enculé, attendez, attendez. Oula, on va se reposer un petit peu là. Putain, il est pas en forme, ce mec. Attention. Non. Ah, mais je peux pas faire le ralenti. En fait, je peux rien faire à la tourelle. Si j'appuie sur B, ça la neutralise. Ouais, et là, je peux courir comme ça alors. Ok, c'est bon. Attention. Reste là, toi, tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus. C'est utile l'étoile dans la vie quand même. Attention, non, c'est pas ça que je veux, moi, c'est la grande. C'est la grande, c'est la grande, c'est la grande. Attention, il y a un truc que j'ai pas fait alors. Je comprends pas. J'ai débloqué une preuve audio, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que je dois faire. A l'aide, comment je fais pour sortir? A l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je peux pas aller là, hein. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. En gros, j'ai juste attiré tout le monde sur moi. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh la vache! C'est tendu quand même, jeu, hein. Franchement, il est pas si simple que ça. Oh là 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 là! Ouais, merci. Je sais pas du tout où je dois aller. Ah!
Je pense que là c'est bon, il y a marqué interagir, je pense que j'ai pris le bon chemin. J'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs ce moment. C'est un petit peu foireux. Le réacteur est toujours fixé à ses rails. Attendez, voilà, ça me semble bien qu'il parlait d'un réacteur à un moment. En tout cas, j'ai jamais vu un peu foireux comme ça. C'est vraiment pas mal. Enfin bref. Par où ? Cette partie du mur a l'air plus fragile que le reste. C'est toi qui a l'air plus fragile que le reste. Attendez. Voilà. Nouvel exosquelette, je pense que je l'ai pas loupé. Il me semble pas. Donc en gros, faut que j'utilise le réacteur pour niquer ça. Mais comment je fais pour que le réacteur soit dirigé vers là? J'imagine qu'il faut que j'attire le petit laser sur moi et que je me mette près du mur. Mais comment je l'attire près de moi, ce petit laser? C'est ça la question. C'est ça tout le. T'as vu? Ça, je peux rien en faire. Attendez. Normalement, c'est ça, oui. Faut que j'emmène le réacteur, faut que ça vise vers le mur. Mais comment? Si je fais ça, ça fait quoi déjà? Ça le fait tirer, ok. Peu importe, ça le fait tirer en tous les cas. D'accord, donc je serai en moyen de le déplacer, mais je vois pas comment. Je peux pas utiliser ma toile pour aller plus haut. Aller plus haut! Je peux pas. Donc il faut que je fasse quoi? Je peux utiliser ce réacteur géant pour faire une sortie. C'est bon, j'ai vu les gars. J'ai vu. Je pense que vous avez pas vu, que là vous allez être complètement étonné de voir que ma vision de super-héros, parce que j'ai une vision de super-héros, m'a permis de distinguer ce petit truc ici là. Voilà. J'ai fait ça. Et maintenant faut que j'aille m'occuper de l'autre qui est là-bas. Et ça devrait être bon. Parce que l'autre, dans toute logique, c'est au bas. Même si. Ouais c'est ça, c'est pour le poser. Hein. Dans toute logique, c'est bon là. C'était pas l'énigme, c'était même pas une énigme d'ailleurs. C'était juste je voulais aller trouver les bornes quoi, c'est tout. C'était un jeu de cache-cache. Ah c'est parti là, on va cracher du feu là. Attendez, est-ce qu'il est assez bas là? Ouais je pense. Ouais c'est bon. Parfait. Vous êtes prêts? Mettez vos lunettes. Go! C'est n'importe quoi, ça c'est des mécaniques de gameplay vraiment trouvées à la dernière minute. Bon allez. On va pas faire les difficiles quand même. Ah j'ai au passage j'ai choisi. J'imagine que le laser va me buter quand je passe devant, non? Waouh! Ouais, c'était ça. Oh là là. Je dois trouver un moyen d'y accéder comme un type normal. Que ferais-je à ma place? J'aime bien cette petite répartie. Mais là je fais comment en fait? Parce que moi je. Voilà quoi. Je peux pas les niquer eux? Voilà. Attention, vite, faut que j'aille. Vite. Oh mon dieu. Je crois que j'aurais pas dû tirer les trucs dessus, ça va rien. J'ai juste perdu mon temps. En fait, le but c'était juste sauter, pas sauter. Voilà. Et je sais plus où aller maintenant. Oh la vache, ils me suivent tous. Super. Je vais mourir, les amis. Je suis désolé, je m'en veux. Alors, je tiens à vous dire que je vous aime tous. Je suis vraiment désolé de cette mort qui va arriver là. Parce que j'ai juste loupé ça. Oh la vache. C'est bon, j'ai trouvé. Là je m'en sors vraiment la dernière seconde de Peter pour rien. Je sais pas comment je fais pour gratter comme ça. Je devrais jouer au banco moi. Alors. Attendez, mais je crois que je peux m'acheter un truc là. Il me semble que j'ai assez de points, donc j'ai reçu des mails. On dirait vraiment Metal Gear avec petite musique en fond là. J'en ai 1160. Non, sans décoller. J'ai tout ça en rab. Oh, c'est bon alors. Bam, toi c'est bon, j'ai acheté. Je peux tout acheter quasiment. Bam, c'est bon, toi j'ai acheté. Putain, si j'avais su depuis le début. Bam, je t'ai acheté. Et les mouchards, c'est quoi? Meilleur signal de télédétecteur. La zone objectif sur la carte, c'est réduite de 15% et tu as accès à la sous-fréquence de l'hôpital psychiatrique. Ça va être pour des missions en plus, j'imagine. Voilà, donc j'avais tout ça depuis le début et moi. Grimpe, comment je grimpe? C'est reparti pour une session Assassin's Creed, c'est ça? Oh la merde! Ah oui, parce qu'en plus il bouge maintenant. Je dois aller où là? Par là? Non. Ah ok, faut que je sois en plein dessus. Oh là 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 là.